Je te rendrai tout.
et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mortel que moi? Nombre chapitre 6, on va terminer là-bas pour gagner du temps. Nombre chapitre 6, nous prenons le verset 24 jusqu'au 26e verset. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous le bénissons parce qu'il nous a fait grâce d'être là encore ce soir. Je dis aux bien-aimés qui nous suivent partout, s'il y a l'obscurité ou il y a les ténèbres, comprenez qu'il n'y a pas d'électricité. Et puis c'est lui qui est en train d'arranger. Nous voulons expliquer les miettes à la manière des hommes pour les hommes, pour nous. Les miettes, ce sont des choses à négliger. Nous avons vu même Lazare sous la table. Lazare n'a pas à Mosui. Sa nourriture était des miettes. C'est-à-dire que les miettes, ce sont des choses négligées. Mais à travers cet enseignement, nous comprenons que Dieu peut se servir de miettes pour faire quelque chose d'important. C'est-à-dire que les calculs de Dieu se diffèrent de ceux des hommes. C'est-à-dire à travers ce parole d'exhortation, à travers cet enseignement, dans peu de jours, le Seigneur veut nous amener à comprendre sa grâce dans une autre dimension. Écoutez-moi très bien. Marcher avec Dieu sans comprendre la grâce, la vie n'ira pas loin. On sera comme Orpa. Parce que la grâce de Dieu se manifeste au-delà des passions. C'est-à-dire que cet enseignement, ces paroles d'exhortation, Dieu les a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Comprendre comment est-ce que nous pouvons marcher avec Dieu. Les uns vivent dans le découragement, dans des déceptions. On se pose trop de questions. Mais si vous comprenez cet enseignement, vous n'aurez pas peur des épreuves ni des difficultés. Parce que pour nous, on croit, quand nous sommes dans le Seigneur, tout ira bien. Je vous dis, être dans le Seigneur, c'est s'engager dans une bataille. Ce n'est pas pour rien. Frère Paul exhorte à Timothée. Il n'y a pas un soldat qui s'engage dans le service militaire. S'il veut donner, soit s'il veut pleurer à son maître, il doit s'imposer des abstinences. C'est-à-dire que la vie chrétienne, ce n'est pas comme les gens comprennent. Alors pour vivre, pour sortir glorieux, on a besoin de comprendre la réponse. Même si je prie, il n'y a pas la réponse. Et même si je jeûne, les choses se compliquent. J'ai besoin de comprendre la grâce.
Seule chose que je suis venu vous enseigner, c'est la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je peux me retrouver dans de fausses lions. Si je comprends la grâce, je ne veux pas me poser des questions pourquoi je suis ici. Mais je comprendrai. Dieu a permis que je sois dans de fausses lions pour que sa grâce se manifeste. Je peux me retrouver dans la fournaise ardente. Je ne peux poser pas la question. Moi, je me retrouve ici. Je dirai, Dieu a permis que je sois dans la fournaise ardente pour que sa grâce se fasse. Je suis venu vous enseigner la grâce pour que les gens se fassent. Beaucoup de gens priment et vivent dans les déceptions, dans des tourments, parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de la grâce. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà l'importance de ce que je suis venu vous enseigner. Alors nous avons vu Jésus-Christ. Après avoir parlé en parabole dans la maison d'Israël, il se dirige chez les païens. Pendant qu'il s'en allait, une femme cananéenne est sortie. Et le texte dit ceci. Elle a commencé à crier derrière Jésus. Je veux que vous reteniez bien ses positions. C'est-à-dire, Jésus est là. Il marchait. Mais la femme criait derrière lui. Pourquoi elle criait? Ce n'était pas elle qui était malade. C'était sa fille. Mais quand vous vérifiez le texte, prenez. Matthieu chapitre 15, vous allez voir. Je suis toujours là dans Matthieu chapitre 15. Verset 25. Allons-y. Okay. Mais elle veut se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Elle n'a plus dit: guéris ma fille. Mais dis: Seigneur, secours-moi. C'est-à-dire que cette maman s'était identifiée à sa fille. La démarche qu'elle faisait, c'était elle. Mais dans elle, il y avait sa fille. C'est-à-dire que cette démarche qu'elle faisait, moi j'aime que nous ayons de telles mamans qui peuvent s'identifier à la fille. C'est-à-dire qu'elle n'écrit pas pour elle, mais pour sa fille. Mais pour sa fille, elle peut accepter la souffrance. Quand je parle de maman, vous vous souvenez de la mère de Moïse. Elle a compris que Pharaon veut la mort. Pharaon veut tuer. Mais pour son fils, elle a accepté d'aller jusqu'au fleuve de la mort. C'est-à-dire que cette maman, s'était identifiée à sa fille. Alors suivez-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons donner quelques détails. Où était la position? Où était la place de la femme? Vérifions encore. Je veux qu'on respecte le texte. La limite d'os à ma promis. Lis le verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Rappelez ça qui est à taille à noter. Et ses disciples s'approchèrent. Maïe Koli. Ma poussera qui peut ma soukouma qui est sous. Ravola quand elle vit derrière nous. Bengala y'a pas d'avocat ma simanabiso. Je veux que vous me suivez très bien, si vous plaît. La ligne bola n'a pas mal à moi à la prison. Je veux moi très bien parce que je vais exhorter un peu avant d'avancer. Bona n'a pas mal à la ligne de ça et à mon adhère. Jésus était devant. Adra qui dit bosso. La femme était derrière. Moi, c'est Adra qui sima.
Je vais vous poser une question. Et moi-même, je vais répondre. Quand la femme criait, qu'est-ce qu'elle voyait? Le dos. Elle ne voyait pas la face. Elle voyait le dos. Je vais insister. Ici, je vais parler comme un pasteur. Quand vous priez, vous jeûnez, vous jeûnissez, il faut tenir compte aussi de ce que vous voyez. Parce que Dieu parfois tourne le dos. Est-ce qu'on me comprend? Avant que j'avance, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement le problème de crier, mais de comprendre aussi la position que Dieu a. Dieu tourne aussi le dos. Papa, vérifiez Jérémie. Vérifiez Jérémie chapitre 17, verset. Jérémie 18 plutôt. Jérémie 18, verset 17. Allons-y. Jérémie 18, verset 17. Allons-y. Pareil, enfant d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai les dos. Ah. Je ne les regarderai pas au de l'air de l'air. Je vais dire ceci. Quand je vais châtier la maison d'Israël, je vais leur priver ma face. Je vais leur tourner le dos. Dieu tourne aussi le dos. Surtout aux incrédules. Là, il n'y a pas de jamais. Est-ce que Dieu peut tourner le dos? Oui. Que tu cries, il n'y a pas la réponse. Je veux voir le frère de Joseph. Quand ils étaient incrédules, leurs yeux étaient aveuglés pour voir Joseph. Et quand dit pour la commande à Joseph, Joseph était devenu muet devant ses frères. Il leur parlait au moyen de l'interprète. Dieu existe. Dieu attend. Que l'attitude de l'homme peut faire que Dieu vous tourne le dos. Nous avons vu Saül. Tomo la qui Saül. Il est allé chez la magicienne. Akeda qui est pas en la qui Saül. Parce que Dieu ne répondait pas. Bonza manai ko ya molaté. Je vous dis avant d'avancer. Mais il suit nous ya molaké de Dioso. Quand nous prions. Quand nous accordons. Quand nous jeûnons. Quand nous accueillons pour qui là. Si les choses persistent. Ceux qui m'accompagnent à l'état côté les mains. Il faut savoir la position. Et c'est que nous y est par le lendemain nous avons d'aller pour la communauté. Parce que Dieu dit clairement, je leur priverai ma face. C'est pas le dos. Aucun Dieu nous tourne le dos. C'est la disgrâce. Quelqu'un va me dire, prophète Jean-Louis, nous sommes au temps de la grâce. Et au temps de la grâce, il y a des gens qui sont privés de la grâce. La dame, il y a des gens qui sont privés de la grâce. Ils ont abattu ma pipe et ma mambo. Si tous les gens qui écoutent la parole, et qu'ils ne la mettent pas en place, je vais vous dire vrai. La couille de Sabino solo. Dieu change de position. Jamais à bon pour la cavalerie. Dieu a de position. Jamais à la cavalerie. Et cette femme crie même les eaux. Moi, si vous avez un goût, vous avez un peu de mambo. Elle criait, elle criait, mais le dos. Et le texte dit, Jésus n'a pas répondu. Quand Dieu tourne le dos, il ne répond pas. Amen. Il parle. Il répond.
Mais il y a d'autres cas. Et ça, ma camoussou. Je ne vous prie, il n'y a pas de souci. Il faut que Dieu nous réponde. Et c'est que les amis aillent à la vie. Pourquoi telle situation persiste? Je ne suis pas venu vous prêcher. Le Dieu de l'histoire. Les amis, il y a ma le Dieu de l'expérience. Le Dieu qui répond. Le Dieu qui change la vie des gens. Le Dieu qui est capable de transformer les situations. Mais suivez. Cette femme criait. Jésus marchait. Mais la mort vainqueur. Cette femme ne s'est pas arrêtée. Elle continue. C'est ce que j'expliquerai le dimanche. Vous allez comprendre que beaucoup de gens n'ont pas la foi. Ils disent qu'ils ont la foi, mais pas la foi. Parce que la foi ne lâche jamais. Si quelqu'un te dit la salle, que la réplique n'a pas la foi. Parce que la foi va jusqu'au dernier souffle. J'ai visité un pasteur qui m'a dit, quand la femme criait, cette dispensation
sont là. Dieu ne pouvait pas répondre. Voilà pourquoi il y a le silence. Et à cet homme-là, Jésus est clair. Il dit quoi? Il dit quoi? Je suis toujours dans Matthieu chapitre 15. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis toujours dans Matthieu 15. Prenons le verset 24. Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Suivez cette position, s'il vous plaît. La femme est là. Jésus ici. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez très bien. La femme crie. Jésus dit non. Je ne peux pas te répondre. Parce que je n'étais envoyé qu'à la maison d'Israël. Les brebis perdues d'Israël. Quand la femme écoute comme ça, elle quitte derrière, elle passe devant, elle se prospère. Oh, l'adoration que Jésus est venu chercher dans la maison d'Israël est d'abattre. Il est venu à l'Israël. Cette adoration-là, le texte dit clairement, il a guéri 10 lépreux. Un seul est rentré. Qui se prosternait? Celui qui se prosternait devant Jésus, ce n'était pas Israël. Quand il est entré dans la maison de Simon, les gens qui mangeaient sur la table, personne ne s'est prosterné. Mais la femme, elle venait, se prosterner. Pourquoi se prosterner? Parce que c'est ça la demande. Alors cette femme, qui était derrière, par la parole de Jésus, cette parole prouve que il y a un dit. Amen. Pour ton lit, pour Bali, pour Zimbabwe, pour terre à terre. Jésus dit clairement que tu n'es pas dit. Yo, bon idée. C'est ça de parler de Dieu. Quand il avait tourné le dos à l'homme. Maintenant la femme passe devant. Je vais vous dire. Ce changement de position. C'est ça le changement de sa santé. Ça veut dire que le premier devient le dernier. Le dernier devient le premier. Parce que Dieu ne peut pas traiter avec deux peuples à la fois. Il rassemble les deux en un. Cette femme a fait quoi? A fait ce que Siméon avait fait. Quand Marie vient avec Jésus, il récupère Jésus. C'est-à-dire que le premier devient le dernier. Jésus qui est venu chez Marie. Marie devient dernière. Bien qu'elle avait Jésus, elle n'a pas ouvert le lot. C'est là où elle a déposé Jésus. Elle a émailloté. C'est-à-dire que ce lot était fermé. C'est là où elle était fermé. Que Marie et Joseph ne pouvaient pas lire. Mais nous avons vu les mages venir de l'autre. Nous avons vu le fils qui se prosternait. Ils se sont prosternés devant le fils avant Marie. Avant Joseph. Ça dit que Siméon prend le rouleau, il lit, Adami, il remet. Et à son ici à vous. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est sorti d'Israël? Il veut très bien.
Alléluia. Le Père, Lipa, c'est pour le Fils de Dieu. Exemple la mona yamoto. C'est pour les enfants. Exemple la bana. Et dans la femme. Si quoi le moisi. La femme n'était pas sur la table. Alors qui dit corona mais ça t'es. La femme n'a pas cherché la table. Moi si à l'homme qui n'a aimé sa vie. Il y a des gens qui cherchent l'élévation par la femme. Ne cherche pas. Dieu élève quand tu veux. Tu peux te forcer. Mais c'est la grâce. Si on comprend la grâce, si tout peut vous arrêter. Amen. Ma critique vous arrêter. Amen. Vous arrêter. Chacun de nous comprendra la grâce que Dieu a fait à l'autre. Nous avons des problèmes ici. Nous avons des problèmes ici. On nous a traités comme les gens unis. Maman, tu vas gens unis. Nous avons dit non. Oh. Mais toi, tu es venu avant. Yo, y a qui bosso. Avant. Où y a qui bosso. Mais ce frère ici. De quoi il est venu après. Aïe, nassi. Mais quand il prêche. Dans sa côté. C'est moi qui l'a le ministère. Les gens ne supportent pas la grâce. Parce que les gens veulent comprendre la grâce de leur manière. Moi, j'ai fait 20 ans. 20 ans, c'est pour les hommes, mais la grâce, ça n'a rien à voir. Et quand le paralytique marcha, dans mon moto à Tabori, ce n'était pas la mort de Dieu. Et là, qui le coup m'a fait de l'autre. Et là, qui le coup m'a échoué. Jean n'a pas dit non, mais c'est. Il a compris que cette grâce. À ce sera qui était mollo et donné à Dieu. Et puis ça m'a dit, mais de l'autre. Ce que vous voyez, c'est mollo. Au vent de la Kimia. On lui m'a zappé sur la place mon nickel de basseur et le grisant. Tant on a eu pour qui voyait la paix de l'âme. Pour nous, ce n'est pas le fond des sangs. Vous les avez cassés à la douter. Mais ça vous me trompe. Oui. La femme est restée là. Moi, c'est à Tikaliwana. Jésus dit non, non, non. Ils ont habité, tété. Celle qui est sur la table. Où est-ce que vous avez ça? C'est pour les enfants. Ils ont pour la banane. La femme dit oui. Moi, c'est le bio. La femme n'a pas pris. Moi, c'est à qui m'a quitté. Ils ont appelé ça à ma côté à mon banane à terre à terre. Est-ce que. Théo, tu peux venir chez Jésus, tu dis. Théo, vous voyez pas un solo. Guéris ma fille. Biki Samoana, moi si. Tu attends la guérison, mais Jésus dit. Théo, c'est la lobby que j'ai mis sur. Non. Théo. Est-ce que Dieu peut me répondre par la déception? Zapago, peut s'en aller à la boy. Est-ce que Dieu peut me répondre par la négativité? Zapago, il s'en aller à la boy. On ne supporte pas ça. Mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi les gens m'appellent si c'est la grâce est manifestée. Si il y a la facilité, ce que ça n'a pas permis, on n'a pas la grâce. Mais la grâce, c'est quand l'homme arrive au bout. Ils attendent mon temps comme une souka. Oh, les gens m'appellent ça, n'a pas permis. Amen. Tu peux aller chez quelqu'un. Il te promet l'argent. À la qui au monde. Demain tu reviens. L'autre est Jésus. Demain tu reviens. C'est malheureux et Jésus. Quand tu oublies. Dans mon bon sali. Il te sert. Il y a péché. C'est pas lui de ce Dieu. Il était les affaires. Il veut nous amener dans son école de la grâce. Zambé à la qui s'amuse. On peut marcher avec le Seigneur sans la connaissance de la grâce. Vous voyez qu'on t'a pour la malade, mon encore, que ce qu'on a voyé bien volonté. Sinon, ça sera des mérites. Ceux qui vont monter, vous allez vacances à mon tour. Est-ce que tout le monde comprend que c'est des mérites? Cette femme était là. Moi, ça va être là. Jésus dit non. Je serai invité. Ça, oui. C'est pas pour toi. Et ça pour la vérité. Je vous pose une autre question. La tout libre, non, tout le monde. Quel rapport y a-t-il entre la guérison et le pain? Pour eux, quand ils allaient, ils n'allaient pas faire au bico. Parce que cette femme. Pour moi, si on n'a pas demandé le pain. Parce que là, il n'allait pas faire. Il dit qu'il allait marcher. Jésus explique le pain. Quand nous nous approchons de Dieu, nous, il faut comprendre le langage. Et c'est que les gens sont sur la parole. Dieu a sa façon de parler. Et toutes ces choses, c'est parce que nous voulons que Dieu parle comme nous. C'est ça qu'il a dit à Jean. Toi, Jean. Yo, Jean. Tu
Tu peux obscurcir mes desseins par de vains discours. Yo, pour qui côté mais la rocan on a mal au malouba papa. Attends, mon malouba, je vais pas venir par là. Bien. Est-ce que je vais venir par là? Je vais venir par ça, mais du tout même la rocan n'a rien. Hein? Surtout, la banque qui est au président. C'est que tant que tu dis ça, tu ne peux pas me voir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Colo à pas pour la bino. Que le Seigneur vous bénisse. Colo à pas pour la bino. Je veux dire quoi? Dans Colo Manini. Il dit à la femme. À l'obin à moi. Le Père. Lipa. Parce que c'est même le Père. Voyez la grande Lipa. Je ne peux pas être un premier. La bouille pour paix, ça me l'a dit. Cette femme a persévéré. Moi, selon à l'état du pico. J'expliquerai ça le fond. La police pour la bonne image. C'est-à-dire que la foi ne considère pas les choses à la manière des hommes. Parce que si on considérait les choses à la manière des hommes, cette femme pouvait dire moi, ça va être Coloma. Jésus a dit que ça qui va tuer. Là, il y a même moi la voix avec elle dans la casse. Il y a des fois, je ne peux pas comprendre Dieu. Tant que je ne suis pas dans l'intelligence humaine, je n'ai pas besoin de les comprendre. Non, je les comprends. J'ai besoin de les comprendre. Voilà pourquoi je dis aux gens, expliquez le pourquoi. Pour la le combat. Le quoi, ni le où, et si quand vous le quand vous voyez, c'est-à-dire, ça c'est le monde des raisons. Waneza, Mokia, Maïla, Omoto. Raison. Oui, ma personne. Mais le Dieu, on ne peut pas toujours l'expliquer par le pourquoi. Zame, ma voyez, vous voyez, vous voyez, quand vous voyez, quand vous voyez, quand frère Pierre a vu Jésus marcher, ça vous voyez, 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 alors nous expliquons le pourquoi. Il a marché sur l'eau. Pour témoigner que c'est lui l'esprit et l'eau. Et bien, n'avait pas besoin. Pourquoi tu marches sur l'eau? Si c'est toi, moi aussi que je marche. Il y a des fois, nous avons besoin de pourquoi. Mais nous avons besoin aussi de la vie. Nous avons besoin de la vie. Quand t'as vu que le gars de Goliath, mon ami, la taille Goliath, il ne se pose pas de questions. Amitra qui me tourne la tête. Pourquoi 6 coudées? Bon ami, 6 coudées. Pourquoi 6? Bon ami, 6. Pourquoi 6? Bon ami, mon Thomas. Si pose cette question. Sur la piste, à tout le monde, tout le monde. 666. Ah, à peu comme il m'a coutu au balou. Mais n'avait pas besoin de ça. Alors, il n'a pas besoin de la beauté. Qui a besoin de l'homme? Dans la vie chrétienne, d'abord, moi, avec Christ, on ne va pas toujours se poser de questions. Et c'est vrai qu'il y a un peu de temps pour la vie. Pourquoi c'est pour la connaissance? Pour la vie, pour la vie. Affronter les choses. Et c'est que nous dans ma cambo. Le père, libre, c'est pas pour le chien. Et ça pour la bamboîte. La femme dit non. Moi, c'est l'invité. Oui, c'est pas pour le chien. Et ça, la soeur, c'est pour la bamboîte. Elle est miel. La simitica. Ça veut dire que cette soeur a prophétisé. Mais pour moi, soeur, il y a sa voilà qui. Bien que si Nathan. Nathan, il corona, mais ça. Parce que Israël était Nathan. Oui, ça là qui corona, mais ça. Jésus, yes, yes. Le corps de Jésus, Zotona, yes. C'était la table. C'est là où on a déposé le corps. Parce que l'Esprit, Christ, Christou. C'était le pain. Le Dieu a déposé sur la table. Israël ne l'a pas mangé. Pourquoi? On devait le jeter. Et c'est là qu'il va voir qu'on a mangé. Le jeter. On a pas mangé pas là qu'on a mangé. Ce jour-là. Alors ma prédication, ce sont ces miettes là. Donc Jésus, yes, dans sa totalité, dans son entièreté, on ne pouvait pas le manger. D'ailleurs, je dois vous dire, peut-être, quand Jésus disait, je suis le Père, on ne pouvait pas le manger. Parce qu'il n'était pas encore déchiré. Parce
Parce que le Père nous a commencé. Il faut attendre que le Père soit entré dans le four. Et au moto. Dans le four, c'est ça Golgotha. Donc à moto, le Golgotha. Il faut attendre que le Père soit divisé. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Il prend le Père 1. Il soulève. Il déchire ça. Ça, c'était l'explication. Il sera déchiré. David qui a donné l'amour. David, il chante.
Tu vas manger ce matin. Bon, yo, vous faire la messe. C'est comme moi. Qui suis chien. Voilà comment est-ce que Dieu nous a sauvés. C'est-à-dire que Dieu nous a sauvés par la petitesse. Par les miettes. Voilà pourquoi, quand Jésus, il traverse, il voit la foule. Il a une compassion de la foule. Comme le pasteur, il donne le pain. La foule a mangé. Et tout le corps il ramassait les miettes. 12 paniers. 12 paniers n'est pas rempli de pain et de miettes. Il y a un peu de temps, il y a est-ce que tout le monde a compris? C'est-à-dire que Dieu, Zambé, par des miettes, il peut faire quelque chose. Dieu, Zambé, par des miettes, la mitika, il peut changer la vie. Voilà pourquoi je dis, je crois vous avoir enseigné ici. Le vrai combat que l'homme a, ce n'est pas le combat de sorcier. Là peut-être que vous n'allez pas croire. Ce n'est pas le combat des démons. Écoute-moi. Ce qui vous croyez bien, c'est quand vous tombez à sol, les athées. Alors, on a un bête comme ça à l'air. Très fondu. Ne comprends pas le mot. Nous ne marchons pas dans la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Dès que nous sommes dans la chair, mais nous combattons en esprit. Pour renverser des forteresses, des raisonnements, des diables, là où il traverse, c'est plus dans les pensées. Il exploite nos faiblesses. Diable exploite. Diable va saler la table. Mon manquement. Cosa manabiso. Pour une condamne. Pour aïka koko ici. Il y a beaucoup de gens ici qui ont été passés. Ils ont été passés. Ils ont été passés. Ils trouvent qu'en tout cas ça. Après, moi je suis inutile. Là, il y a un autre qui est tombé. Moi je n'ai pas de valeur. Ça fait son alliance en miettes. En toute explication. Amen. $5,000
c'est pas ça ta force. Ta force, c'est la grâce de Dieu. Je ne peux pas permettre que tu perdes l'argent. Nous avons vu des gens qui ont beaucoup d'argent. Incapables de manger. Ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Ce qui est impossible, impossible.
Pour ce qui est impossible à l'homme, si l'homme se force à le faire, il le fera. La chose est impossible. La chose est impossible. Je veux faire ça. Parce que Dieu a déjà dit. Il y a des choses impossibles. Et ça, ma grande, on t'a posé la tête. Moi, je viens. Oh, on a posé la tête. Alors, maintenant, si je réalise. Ce qui n'a pas d'italien était. Il est impossible. Et qu'on quitte au salama. De changer l'homme. Au bon pour la beauté. Il est impossible. Ça, ma grande, quitte. Tout le monde parle bien de moi. Mon Dieu, son malade, mon malade. Il est impossible. Et qu'on quitte au salama. Et tout le monde m'aime. Mon Dieu, son malade. Il est impossible. Et qu'on quitte au salama. Et tout le monde me croit. Mon Dieu, son malade. Je ne peux pas entrer là. Non, on compte à ton avis. Pas le même pas. La bonne image. Pour aller faire ça. C'est impossible. Et oui, pour ça, la matière, la bonjour, le père, ça veut dire que Dieu peut changer. Mais ça va pas là. Si c'est impossible, Dieu pour ça, la matière, de résoudre tout le problème. Au père, ça vient là, ma commune, ça va être là. Je suis dans la carte, la vie qui nous a mis à ça. Moi, je suis impossible. La grâce nous pousse à considérer la main. Et tu dis qu'à la maison, tout le monde a la tine à l'eau qu'on a en train. C'est que ce qui est molou, nous n'avons pas de molou, hein. Molou, pour qui veut dire que ça, la cause d'un coronavirus a été. Israël en Égypte, les gens qui l'ont maltraité, Moïse dit, Israël a trouvé grâce. Israël a joué à qui molou. Et maintenant, ma paix, c'est pas comme une autre. Donc, ça, ma cause, ça, la molou qui attend une toile à l'inaïoté, à l'inaïoté aux humains. Et quand Israël est sorti avec l'homme, l'homme a provenu d'où? Où est-ce que les gens qui les ont maltraités? Quelqu'un peut te maltraiter. Quelqu'un peut te frapper. Ne te force pas. Cherche la grâce. La grâce peut tout transformer. La grâce peut tout changer. Joseph condamné. Joseph, pourquoi ici? Combien d'années je ne sais pas ce que c'est. Mais quand Dieu s'est souvenu de lui, il a trouvé grâce. Il a occupé un poste qu'un homme ne peut pas le faire. La grâce t'amènera là où la main de l'homme ne peut pas le faire. Si la main de l'homme te soutient, la main de l'homme peut se fatiguer. Si la grâce t'amènera là, personne ne te fera. Mais si vous le dites maintenant, le frère vient de se poser des questions. Moi, je suis à mort. Nous prions sous la grâce du Seigneur.
on verra la gloire. Nous sommes la grâce à vous, tout le monde a saisi le message. La grâce de Dieu, de gloire, est devenue muette. C'est-à-dire dans moi, il peut y avoir d'autres choses qui ne sont pas importantes. Mais la grâce de Dieu est capable de dépasser. Donc ne te néglige pas. Pour quelqu'un t'a maltraité. Ne te néglige pas. Pour quelqu'un t'a humilié. Dieu a voulu que tu sois humilié pour que tu sois humilié. Dieu a voulu que tu sois humilié. Jésus-Christ à la croix. C'était le nez d'humiliation. L'orgueil empêche l'homme de considérer qu'il est orgueilleux. L'orgueil pousse l'homme à dire que je ne suis pas orgueilleux. Ce qui pousse l'homme à dire qu'il n'est pas orgueilleux, c'est ce qui retarde la grâce. Mais si nous pouvons comprendre la grâce, comprendre les lunettes, on ne va pas négliger les gens. On ne va pas nous négliger. On va considérer la vérité. Il y a des fois, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait des retraites, il n'y a pas de réponse. Et à nos alités, dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Il y a des fois, tu as jeûné, tu as prié, tu es arrivé au fond. Il n'y a rien. Seigneur, je vais faire de ta grâce. Si je trouve grâce, j'aurai tout. Est-ce que tout le monde a compris ce message? Aussi, tout le monde a compris ce message. Aussi, nous voulons prier. Nous demandons au Seigneur de nous faire grâce. À ça, la mission pour nous. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce de découvrir les miettes. Et de comprendre que dans ces miettes, il peut les transformer à sa gloire. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre que même les choses négligées peuvent servir à sa gloire. Que Dieu nous fasse grâce. Que nos yeux s'ouvrent pour découvrir même les choses inutiles. Que Dieu te fasse que ces choses deviennent importantes. Prions au nom de Jésus. Yeah.
Dans la salle de la vie, 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 dans la salle de la